Ça y est, elle est arrivée, Philippe. Alicia. Oui, voilà. Alors, avant que tu commences, c'est vrai qu'Alicia, moi, c'est la première fois que j'ai vu des vidéos. C'est vrai, ce qui est impressionnant, c'est sa volonté dans les zones de ne rien lâcher, quoi. Exactement. Donc ça, je pense que c'est déjà la qualité essentielle du trial. Hein. Bien sûr. Le trial c'est être accroché, c'est se battre, c'est chercher la solution dans la zone, c'est souvent un problème de mathématiques et par moments aussi il y a de l'improvisation. D'accord. Et c'est ce qui fait un petit peu tout le charme du trial. Donc Alicia, nous l'avons chez nous depuis qu'elle est toute petite. On a établi un programme d'entraînement et de résultats de course qui est en train de se mettre en place. C'est vrai qu'elle a commencé il y a longtemps dans les courses avec pas mal de difficultés dues à son physique de jeune fille et ensuite son manque de technique. Mais elle a persévéré énormément, elle a été très soutenue par sa famille, par son père. Et aujourd'hui, elle commence à avoir de la puissance et toutes ses heures d'entraînement sont en train de payer. Et d'ailleurs, le résultat qu'elle a eu pour sa première épreuve du championnat du monde à Charade il y a quelques jours prouve justement que ce programme d'entraînement que nous avons mis en place depuis son jeune âge est en train de payer énormément. D'accord. Donc elle va vous parler un petit peu de sa compétition de Charade. Et pour elle, c'était une première et je crois que ça a été un grand succès et ça lui a permis de confirmer toutes ses heures de travail et ça c'est très valorisant. Une bosseuse alors ? Une grande bosseuse. Ouais. Alors elle va se présenter. Voilà Alicia. Bah, ouais, ça c'est ça fait marrer toujours, hein. Des poils. Moi c'est Alicia, j'ai 15 ans. J'ai débuté la moto à l'âge de 3 ans. Et j'ai fait 4 ans de championnat de France. Mmh. Et j'ai fait cette année une manche de championnat d'Europe en Italie, où j'ai fini 8e. Et aussi j'ai participé à l'épreuve en France à Charade au Mondial, et j'ai fini 6e. Ouais, c'est bien, hein. Ouais. Dans une épreuve internationale, hein, c'est super, hein. Ouais. Et par contre, t'as dû mettre des pieds, tu pouvais encore gagner des places, non ? Bah, c'était ma première course, donc j'ai eu un peu d'appréhension départ. Et j'ai fait des erreurs, mais après c'est normal d'en faire. Mais sinon, j'ai pris l'expérience avec cette course. D'accord. Et comment t'as commencé le trial ? J'ai commencé le trial du coup à l'âge de 3 ans. Parce que mon grand-père en faisait et mon papa en faisait. Et du coup, j'allais sur les courses le week-end et c'est pour ça que j'ai commencé à faire du trial. Parce que normalement, c'est vrai que le trial, c'est pas très féminin. Il n'y a pas beaucoup de filles, ce qui est dommage. Hein. Donc là, tu te sens un peu seule ou comment Si t'as une jeune fille qui voudrait faire du trial, qu'est-ce que tu lui conseilles ? Bah, que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas faire de la moto, parce que j'arrive à en faire, moi, de la moto. Et que ouais, les filles, il faut qu'elles viennent plus sur les épreuves et qu'elles ont le niveau pour faire ces zones. Exactement. Et puis le trial, c'est le sport de mécanique, hein, où on apprend le plus. Donc après, tu pourras faire même autre chose si on veut. Hein. C'est le meilleur sport. Bon, bah super. Donc on va la voir maintenant gravir les échelons, je pense. Hein. Et puis il y a tes parents derrière qui te motivent. Et ouais, parce que derrière, il y a les parents qui ont un rôle important. Hein. C'est important, les parents, au début. Hein. Ouais. Tout repose sur eux. Après, quand elles grandissent dans les résultats et tout, c'est vrai qu'elles intègrent des teams et il n'y a plus de problèmes de logistique et des fois financiers aussi. Mais sans les parents au départ, c'est pas possible. C'est clair que c'est pas possible. C'est pas un sport très coûteux, le trial, mais c'est un peu plus cher que... C'est un peu plus cher que d'aller faire du basket ou du hand, c'est sûr. D'accord. Donc il faut quand même une implication des parents coûteuse. Ouais, effectivement. Et aussi beaucoup de temps. Passer du temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais ça peut réussir pour les filles. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que cette année au championnat du monde, je crois que dans sa catégorie, elles sont 12 ou 13. Et dans la catégorie au-dessus d'elles, puisqu'il y a deux catégories féminines au championnat du monde, dans la grosse catégorie, les GP Women,
Elles sont une douzaine aussi, donc à un niveau de championnat du monde, il faut savoir que chez les garçons, la grande catégorie World Pro, ils sont plus que 9. Donc quelque part, les filles se défendent énormément et sont présentes, et on en voit sortir de plus en plus, de tous les pays d'ailleurs, pas que l'Espagne ou la France ou l'Italie, mais il y a des filles qui arrivent d'Allemagne, qui arrivent de Suède, qui arrivent de Norvège, d'Angleterre évidemment. Et ça, c'est super. C'est une émulation énorme au niveau d'un championnat. Ouais. Et ça c'est ce qui manque aux garçons aujourd'hui. Ouais. Il y en a trop peu. Exactement. Voilà. En tous les cas. Et puis, c'est quoi ton modèle de pilote? Je ne sais pas si c'est bon féminin ou masculin. C'est féminin, moi c'est l'ISN. J'ai pu la rencontrer du coup à Charade et parler avec elle. Allez. Elle est sympa, hein, la Yassane. Pourtant, voilà, c'est quand même un champion d'exception. Hein. Paris-Dakar, des rallyes. Ouais. Et toujours accessible, hein, la Yassane. Ah, elle lui a fait un grand cadeau, Alicia, de parler avec elle, de prendre la photo ensemble et tout ça. Ouais. Et c'est super. Alaya est vraiment une brave femme, maintenant femme, parce que nous, on l'a connue, elle était jeune. On l'a connue fille, mais maintenant, c'est une femme accomplie. Et Alaya, très accessible, ça, c'est très bien, c'est super. Et pour un enfant, parce qu'elle est encore enfant, c'est la réalisation d'une idole, quoi. Ah ouais, exactement. Ouais. Ah bah super. Allez, check. Bye. Merci encore. Hein. Allez. Salut.